L'opposante biélorusse Svetlana Tikhanovskaya a appelé vendredi la communauté internationale à instaurer des sanctions contre le régime d'Alexandre Loukachenko et a envoyé une mission de l'ONU dans le pays pour y documenter les violations des droits humains. Une demande faite en visioconférence lors d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, organisée à l'initiative de l'Estonie. Il n'y a qu'un seul obstacle à la satisfaction des demandes du peuple. Cet obstacle, c'est M. Loukachenko, un homme qui s'accroche désespérément au pouvoir et qui refuse d'écouter son peuple et ses propres fonctionnaires d'État. Le régime de M. Loukachenko est moralement en faillite, juridiquement discutable et simplement intenable aux yeux de notre nation. Des dizaines de milliers de Biélorusses ont défilé depuis début août pour protester contre la réélection jugée frauduleuse d'Alexandre Loukachenko au pouvoir depuis 1994 dans cette ex-république soviétique. Les premières manifestations après l'élection du 9 août avaient été réprimées par la force, faisant 3 morts et des dizaines de blessés. Plus de 7000 personnes avaient été arrêtées. Les personnes détenues faisaient état de violences et de tortures. Cette semaine, 6 journalistes biélorusses ont été arrêtés et condamnés à 3 jours de prison pour avoir couvert des manifestations antigouvernementales.